Milagro. Non, non. L'esclave ne s'en va pas. Cette esclave est à moi. Elle est à moi. Vous, vous restez avec Nicolas. Vous l'avez mis au monde. Nous trois, on s'en va. Mon fils vous retrouvera. Il vous fera payer tout ce que vous avez fait, croyez-moi. Je n'ai pas peur, Adela. Ni de lui, ni de vous. Allons-y. Allez, viens, Milagro. Patron, je vous informe que votre mère est là et que votre femme vient de revenir avec sa dame de compagnie. Qu'est-ce que tu racontes, imbécile ? J'avais dit que personne n'entre ou ne sorte de la maison. Pourquoi tu les as laissées sortir ? Tu sais au moins où elles sont allées ? Je suis désolé, monsieur, je croyais que vous étiez au courant. C'est Doña Eugenia qui est venue, l'épouse du général. C'est elle qui a invité votre dame à une cérémonie. Quoi ? C'est pas vrai ! Par derrière. Vite, rattrapons-les. Oui, monsieur. Où est-ce que tu vas comme ça? Tu pensais faire quoi avec cette arme, hein? Où est ma mère? Qu'est-ce que tu as fait d'elle? La même chose que j'aurais dû te faire depuis longtemps. Lâche déjà. Victoria. Lâche-le. Lâche-le, couteau. Pas de la toucher. Lâche-le. Lâche-le ou je la tue tout de suite. Ce sera une domestique de moins. Qu'est-ce que tu en penses? Cette fois, ton masque est tombé. Victoria Quintero. Le masque, c'est toi qui l'as toujours porté. Tu es un assassin. Comment as-tu pu faire ça? De quoi tu parles? Cesse de mentir, Nicolas. Je sais que tu as tué la marquise et sœur Alicia. Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Tout Santa Marta va savoir la vérité. Et découvrir le genre d'homme que tu es. Un assassin qui a tué mes parents. Et qui a essayé de me tuer quand j'étais bébé. Lève-toi! Ne touche pas! Toi, je te dis! Lâche pas! Tu vas lâcher! Lâche-moi! Ça paraît incroyable, mais grâce à Nicolas, un vent de paix va enfin souffler. L'abolition de l'esclavage est presque signée. Je n'aurais jamais cru Nicolas capable d'être raisonnable. À vrai dire, je n'ai pas confiance en lui. Il faut y regarder à deux fois avant de savoir ce qu'il pense. Et alors? Alors rien. Si on ratifie l'accord d'abolition dans cette région, ce que pense Nicolas n'aura plus aucune importance. Et le fait qu'ils aient fait appel au juge et à moi pour conduire le projet, ça veut dire qu'on est en bonne voie. Ne me touche pas. Je prends soin de toi, ma chérie. Tu es complètement dérangée. Comment ai-je pas pu m'en apercevoir avant? Un fou ne sait pas ce qu'il fait. Moi, si. Chaque pas que j'ai fait, je l'ai fait en sachant précisément où je voulais arriver. La hacienda est à moi. Le poste de gouverneur est à moi. Et tu es à moi aussi. Jamais je ne le serai. Mon corps, mon âme, ma vie appartiennent à Miguel. Rien qu'à lui. Nicolas, relâche Remedios et Milagro. Elles n'ont rien à voir avec tout ça, par pitié. Laisse-les partir. Oh si, elles ont tout à y voir. Elles sont importantes à tes yeux autant que ce bâtard d'esclave. Cet esclave qui est ton fils, tu l'as oublié? Pour moi, elle ne compte déjà plus. J'aurais dû en finir avec toi quand j'en ai eu l'opportunité. Je t'ai laissé la vie sauve en pensant être meilleure que toi. Mais détache-moi! Détache-moi ou laisse-moi me défendre! Sois un homme pour la première fois de ta vie. Tu crois que je vais me faire avoir? Non, ma chère épouse. Les choses vont se passer comme je veux. Demain, Miguel va se présenter comme un bœuf à l'abattoir. Personne ne l'y aura contraint. Et devant tes yeux, je vais l'assassiner. Non.
Non, tu ne peux pas faire ça, Nicolas. En tant que gouverneur, tu dois respecter la loi. Tu me crois aussi faible que le général Marquez. Je suis bien au-dessus des lois. Et je suis sur mes terres. Ça, c'est ce que tu crois, Nicolas. Ce sont mes terres. Tu n'es qu'un assassin qui a pris la vie d'une pauvre famille sans défense pour avoir quelque chose à toi. Mais regarde-toi. Quelle ironie, hein? Ni ces terres, ni moi, ne t'appartiendront jamais. Bah moi, allez! C'est la seule méthode que tu connaisses pour contrôler quoi que ce soit. Ah oui? Je vais te prouver que tu as tort. Quand je serai débarrassé de ce bâtard, tu te rendras compte que ta place est à mes côtés. Ça jamais. Que comptes-tu faire d'elle? Retourne dans ta chambre. Je veux savoir ce que tu manigances. Que vas-tu faire avec Milagro et Remedios? Arrête de poser des questions sans intérêt et retourne dans ta maudite chambre. Miguel, je suis prêt à t'accompagner. Non, Thomas. Tu restes ici. Là, nous ne sommes que quelques représentants à partir. Mais je voudrais être présent, moi aussi. Fais-moi confiance, Thomas. S'il te plaît. Tu y vas aussi pour ramener Victoria? Oui. À partir de maintenant, nous devons agir tous ensemble. Il n'est pas question d'attendre un jour de plus. Miguel, j'ai quelque chose à te dire. Je viens de lire dans les coquillages et je n'aime pas du tout ce qu'ils disent. Cet homme-là, crois-moi, il va te trahir. Je sais très bien qui est Parigno. Et s'il joue un double jeu, je lui réserve une belle surprise, moi aussi. Je n'y vais pas que pour la signature. Victoria, Milagro et Remedios sont là-bas et je dois les faire sortir de la senda par tous les moyens. Mais là, je vois qu'il va t'arriver malheur, mon garçon. Oui, peut-être, si j'y allais seul. Mais il y aura Felipe Restrepo. Et le juge sera là aussi. Maman Lorenza, nous allons construire l'avenir de notre peuple. À condition que Nicolas tienne ses promesses, les choses devraient s'améliorer. Sinon, il faut nous attendre à avoir un long chemin à parcourir. Et nous devons faire des sacrifices. Ramène mes filles chéries ici et reviens toi aussi sain et sauf. Qu'Elegua te montre la voie et que mes ancêtres te protègent, mon garçon. Pendant tout ce temps, j'ai appris à te connaître un peu. Tu es un petit animal sauvage, en qui on ne peut pas avoir confiance. Mais j'ai tout le temps du monde pour t'apprivoiser à présent. Réjouis-toi.
Bientôt, ton amoureux Miguel sera là. Et tu seras en première loge pour regarder le spectacle. En silence! Et le juge, il n'est pas encore là? On dirait qu'il est en retard. J'espère qu'il va arriver parce que Miguel est en route. C'est une bonne chose. La fin est toute proche, maintenant. La fin de quoi? La fin de l'esclavage. Et des conflits pour nous tous. Pour les soldats, ne t'inquiète pas. C'est le protocole. La sécurité est une priorité dans cette affaire. Je ne veux pas y assister. Je n'aurai pas le courage de voir ça. Mère, ça paraîtra bizarre si tu n'es pas là. C'est une chose que tu veuilles te venger de Miguel et de Victoria, mais c'en est une toute autre de vouloir supprimer des gens sans défense comme Milagro et Remedios. Pourquoi tu t'inquiètes pour elle maintenant? Pour toi. Je m'inquiète beaucoup pour toi. Parce que tu es gouverneur à présent. Mère, les autres propriétaires terriens nous soutiendront quand je leur dirai que les esclaves nous ont tendu une embuscade emmenée par Felipe. Il a des antécédents et notre monde ne veut pas de l'abolition. Quant à Remedios et Milagro, nous les mettrons avec le groupe des traîtres. Voilà tout. Et pour le juge? Je l'ai convoqué plus tard. Quand il arrivera, tout sera déjà terminé. Nous lui dirons qu'il régnait une grande confusion. Il n'entendra que ma version. Pourquoi tu te précipites? Réfléchis bien. Ça va être un vrai bain de sang. C'est la seule façon d'éviter ce qui s'est passé dans la province du Cauca. Tu voudrais une rébellion comme chez les Oriago? Hein? Les esclaves ont tué des familles entières. C'est bon, mère. Fais comme tu veux. Mais la seule façon de se débarrasser du passé et de prendre un nouveau départ, c'est de les anéantir tous. Et les autres? Où sont les autres? Ils sont occupés. Ils vont signer un traité d'abolition avec Parreño. D'abolition? Parreño ne signera jamais une chose pareille. Et ils vont faire ça ici. Il va venir? Oui. Il est en chemin. Ça vous pose un problème? Oh, s'il vous plaît, je vous en prie, faites-moi partir d'ici. Cet homme ne doit pas savoir où je suis. Vous n'avez jamais voulu nous venir en aide. Je vois pas pourquoi on devrait le faire pour vous. Toi qui es une femme bonne, qui a de la compassion, je te demande de me sauver comme je l'ai fait pour Victoria. Quoi? C'est Morales qui m'a tout raconté. Moi aussi, je suis une victime de cet homme. Comme l'ont été également Domingo et Elena. Comme ces deux pauvres femmes qu'il a assassinées dans mon église. S'il me trouve ici, le prochain défunt, c'est sûr, ce sera moi. Vous saviez que Parreño avait tué les Quintero et d'autres personnes et vous n'avez jamais rien dit. Et vous êtes un représentant de l'église. Hypocrite! Hypocrite! Espèce d'hypocrite! Pendant toutes ces années, j'ai gardé ce lourd secret pour avoir la vie sauve. Et quand j'ai vu comment Nicolas a pu tuer de ses propres mains la vraie marquise et la sœur Alicia, j'ai compris que j'avais bien fait de garder le silence. Nicolas sait qui est Victoria et nous n'étions pas au courant. Vous êtes... Oui, vous êtes tout. Mais vous n'êtes pas un homme de Dieu. Oui, je sais.
Je sais que je ne suis pas aussi courageux que vous. Je ne suis hélas qu'un misérable timoré qui a tellement peur de perdre la vie. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Il est grand temps, pour ce lâche, de faire les choses bien. Allez. Allez. Oh mon Dieu. On sait tous pourquoi on est là, n'est-ce pas? On doit récupérer Victoria, Milagro et Remedios. Oui, oui, Miguel. Rappelez-vous, nous sommes unis. Oui. Ouais. Allez, bon, alors, on y va. Allez, venez, allez. Je vais ôter ton baillon, mais avant... Je veux que tu saches qu'un soldat pointera son arme sur ton bien-aimé, Miguel. Si tu dis quelque chose d'inapproprié, il sera le premier à tomber. Tu as compris? Tant mieux. Allez, on y va. Allons-y, lève-toi. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien, Milagro. Personne ne nous entendra. Il y a quelqu'un? Felipe, Miguel, tu en as mis du temps. Et Nicolas? Il a dit qu'il descendait. Comment ça va, messieurs? Ça va, ça va bien, merci. Ça va. J'espère que tout ça va bientôt être réglé. Nous sommes là pour ça, ne t'inquiète pas. J'ai confiance. C'est un guet-apens! Mettez-les en joue, abattez-les! Tirez, non. Mon sang, vous attendez quoi? Lâchez-moi! 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 Nico, là. Si tu libères Victoria, Milagro et Remedios, je pourrais laisser la vie sauve à ta mère. Tu perds la raison, espèce d'imbécile! Tu ne me donnes aucun ordre! Je ne signerai rien du tout, espèce de traître! Nicolas, fais quelque chose par pitié! Abattez-les! Non, non! S'ils tirent, ils tueront ta mère! Tu es devenu fou, Nicolas! Tu ne vas pas tous nous faire tuer pour la signature d'un accord! Sauvez-vous, allez! Courez! 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 Vous attendez quoi? Vous allez tirer, oui ou non? Je vous dénoncerai pour rébellion! Tuez-les! Ne restez pas plantés là comme des abrutis, allez! Suis-moi, Victoria! Allez! Trinidad, voilà Miguel et Victoria! Tout va bien. Bon, allons-y, allons-y. Hey, attends, attends, mon frère. Où est Remedios? Et Milagro? Il a dû les enfermer. Nous devons aller les chercher. Ou on s'en sort tous, ou on meurt tous. Toi, tu ne vas nulle part. Je vais monter sur la colline pour leur tendre un piège. Tu pars avec les autres, pour les protéger. Non, je partirai pas sans vous. Il faut qu'on se sépare, tu comprends? Justement, moi, je vais chercher Remedios. Et moi, ma femme. Attendez. Allez, on y va. Ramenez Felipe. Il s'est comporté comme un frère avec nous. Et toi, tu vas faire quoi? Je m'occupe de Nicolas. Quoi? Alors je vais avec toi.
Si c'est la mort qui est notre destin, alors que ce soit en luttant pour notre liberté. Je suis d'accord. Bonne chance. Venez, suivez-moi. Par ici. Allez, allez, avancez plus vite, Remedios. Je ne peux pas, désolée, je ne peux pas. Ne bougez plus. Ne nous faites pas de mal, s'il vous plaît. Je vous en supplie, ne nous faites pas de mal. Allez-vous-en. Allez, vite. Oh, merci. Dépêchez-vous. Merci beaucoup. Tenez, Adela. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les autres? Nicolas, il voulait qu'il me tire dessus. Moi? Sa maman? Je ne l'ai jamais trahi, même quand je n'étais pas d'accord avec lui, mais... Il les aurait laissé tuer sa maman. On s'en va. Non, 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 non. Milagros, ne l'écoute pas, ne me laisse pas toute seule. Lâchez-moi. Milagros, s'il te plaît, non, ne pars pas. Ne me laisse pas, lâchez-moi. Ne me laisse pas, s'il te plaît, non. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. J'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour vous. Viens, partons d'ici. N'avancez plus! Non, 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 s'il vous plaît, tout va bien, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas armés, vous voyez bien. Nous voulons seulement parler au général. Il n'est plus en fonction. Désormais, le responsable, c'est Parreño, le gouverneur. Parreño est un misérable. Un assassin. Un criminel. Et nous en apportons la preuve au général Marquez. Surveille ton langage, toi, sinon! Sinon quoi? On peut savoir ce qui se passe. Baissez votre arme. Est-ce que vous m'avez entendu? Que se passe-t-il? Laissez-moi regarder. Felipe, restez avec nous, s'il vous plaît. Felipe, Felipe. Sa blessure est superficielle. Oh, Dieu soit loué. Allons, allons, du calme, du calme. Je vais bien. Ce n'est qu'une égratignure. Pouvez-vous dire au général Marquez que nous avons une situation d'urgence? D'accord, monsieur, on y va. Où sont Miguel et Victoria? Mais c'est impossible, mon père. Je vous le jure sur mon âme, général. J'ai vu de mes yeux Nicolas Parreño assassiner de ses propres mains l'authentique marquise. J'ai fui parce que j'avais peur de mourir. À cause de ce que je sais sur Victoria Quintero, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai toujours su que Nicolas était un démon. Mais je ne le pensais pas capable d'aller jusque-là. Il est capable de ça. Et de bien pire encore. Général, vous seul pouvez mettre un terme à tant d'injustice. À tant de cruauté. Ma fille mérite de retrouver tout ce qui lui appartient. Nous pensions tous que le bébé des Quintero avait péri au cours de cet incendie. Non. Elle a été sauvée de l'incendie. Thomas et Lorenza l'ont élevée au Palenque. Et quand vos soldats ont attaqué et détruit ce village, elle a réussi à s'échapper. Et elle est venue me trouver. Et je l'ai envoyée loin d'ici, en Espagne. Mais elle est revenue. Elle est revenue pour libérer ceux qu'elle considère comme sa famille. Thomas, Lorenza et tous les autres esclaves de l'Éden. Et pour reprendre possession de ses biens. Et moi, comme un maudit lâche que je suis, je n'ai jamais trouvé le courage de dire la vérité. Cette terrible tragédie est arrivée par ma faute. Et ce sentiment de culpabilité me tue. J'implore ton pardon, Seigneur, pardon à vous tous. Oh. Capitaine! Mon général? Rassemblez mes troupes et entrons! À vos ordres, général! Il faut trouver le moyen de semer, Nicolas. Mon amour, il faut qu'on se sépare. Quoi? Non, je ne partirai pas sans toi. Si, Victoria, si. Non, Miguel. On n'a pas le choix pour l'instant. Miguel. Fais-moi confiance. Cours, allez, cours, Victoria. Nicolas, je suis là, Nicolas. Espèce de lâche. Un sale bâtard. Tu crois que tu vas te moquer de moi?
Victoria! Victoria! Miguel! Miguel! Ne crois pas que tu vas m'échapper! Je vais le trouver et le tuer devant toi! Sale menteuse! Je vais le trouver! Je vais le trouver! Et je le tuerai devant toi! Laisse-moi! Saleté! Traîtresse! Tu crois que tu vas aller loin? Tu vas où comme ça? Nicolas! Laisse-la tranquille! Je vais te tuer! Arrêtez! Tu n'as jamais été mon fils, tu entends? Jamais! Je vais te tuer! Miguel! Vas-y, tue-moi! T'en es pas capable, je le sais! Es-tu là? Te voilà enfin réveillée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton châtiment. Enfin, une partie. Tu crois que tu peux te mesurer à moi? Tout Santa Marta connaît la vérité. Ils savent qui tu es. Et qui je suis. Le père Octavio a avoué la vérité devant tout le monde. Il a dit que tu avais tué la vraie marquise. Que tu m'avais tout volé. Que tu avais brûlé mes parents. Que tu as même essayé de me tuer moi aussi. La première fois quand j'étais bébé. Ensuite quand j'étais une jeune fille. Ce sont les inepties d'une vulgaire couturière et d'un prêtre fourbe et lâche. Et je prouverai que c'est une folie de témoigner contre un grand monsieur comme moi, un grand monsieur de Santa Marta. Tu n'as jamais su quand il fallait renoncer, papa. Isabelle, ma fille chérie, tu es là. Ne crois surtout pas tout ce qu'ils disent. Ne crois surtout pas cette vipère. Elle essaie de me détruire, de détruire notre famille. Ça, tu t'en es chargé tout seul. Et ne m'appelle plus jamais ta fille, parce que je dis adieu à tout lien qui me rattache à toi. Ma seule famille, c'est mon frère, Miguel. Ne t'avise surtout pas de prononcer le nom de ce sale bâtard. Tu es si plein de haine. Et tu es tellement dans l'erreur. Comment aurais-je pitié de toi? C'est toi-même qui es responsable de ton malheur. Même avec moi, tu as essayé de mentir comme tu l'as fait avec tous les autres. Mais c'est du passé. Et tu es tout seul. Tout seul. Et bien si c'est comme ça, disparais! Petite ingrate! Personne ne peut se mesurer à moi! Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai de nombreuses relations. Et quand je sortirai d'ici, je vous détruirai tous! Victoria! Tu paieras cher ta trahison! Tu es bien pire que cet esclave répugnant! Maintenant que le père Octavio a fait sa déposition devant le juge, tout est rentré dans l'ordre. Victoria
est bien l'héritière légitime de l'Éden et peut en prendre possession quand elle voudra. Qu'advient-il de la proposition d'abolition ? Dis-leur, mon chéri. Bien. Demain matin, j'enverrai à Santa Fe le texte du traité que notre ami avocat ici présent a rédigé. Ces procédures prennent toujours un peu de temps, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça ne traîne pas trop. Vos paroles valent de l'or pour nous, général. Merci, et c'est un plaisir de partager avec vous notre citoyenneté ainsi que nos droits. On pourrait traquer, non ? Santé. 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 Oui. Tu crois qu'il me voit ? Bien sûr qu'il te voit, mon Orochimi. Don Domingo et Doña Elena sont tes ancêtres. Ils sont près de toi ici et maintenant. Et ils t'accompagneront au-delà. Tu ne dois jamais oublier ça. Oui. Ils ne sont pas là. Mais je sens leur présence. Légalement, tout ce que vous emportez là appartient à Victoria Quintero. Ce n'est pas grave. Je ne veux rien de cette femme. Encore moins de son fils. Vous pouvez tout garder. Plus vite vous serez partie, mieux ce sera, madame. Isabelle, nous partons. Je ne veux aller nulle part avec toi, grand-mère. Et pourquoi ? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas m'abandonner. C'est vrai, tu as pris soin de moi. Mais pendant longtemps, tu m'as privée de ma liberté. Tu m'as imposé des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Tu me détestes. Non. Je crois juste que toi et moi, on a des chemins différents. Nicolas Parreño, vous avez été reconnu coupable d'avoir été l'instigateur des meurtres de Don Domingo Quintero et de Doña Elena Quintero, commis en l'an 1821. Vous avez également été reconnu coupable d'avoir été au cours de cette année l'auteur des meurtres de la marquise Lucia de Bracamonte et de sœur Alicia Gonzaga, toutes deux membres du royaume d'Espagne. Sont également retenues contre vous les accusations suivantes pour falsification de documents et l'appropriation frauduleuse en ce qui concerne l'hacienda L'Éden. Par conséquent, vous êtes condamné à 30 ans de travaux forcés dans les mines du Sud. Quoi ? C'est une condamnation digne d'un esclave ! Vous ne pouvez pas me traiter comme un esclave ! La sentence sera appliquée sur le champ. À compter de ce jour et sans compression. Non ! Non ! Non ! Vous n'avez pas le droit de me faire ça ! Vous ne pouvez pas me traiter comme ça ! Je suis un homme respectable ! Vous êtes devenu fou ! Brut ! Ignorant ! Vous ne pouvez pas me traiter comme ça ! Lâchez-moi ! Je demande justice ! Lâchez-moi ! Maman ! Mère ! Aide-moi ! Prends un avocat à Santa Fe et explique-lui ce qu'il me faut !
À partir d'aujourd'hui, l'Éden sera la première hacienda de cette province, où il n'y aura plus d'esclaves. Il faudra travailler dur, c'est certain. Mais ce sera pour votre propre bien-être et pour le bien-être de vos familles. Vous aurez tous un lopin de terre où vous construirez votre maison. Vous travaillerez pour l'hacienda et vous serez très bien payés. Vous serez libres. Parce que blanc et noir, nous sommes unis. C'est quoi, ça? C'est mon nouveau talisman. Fait par papa et maman. Tu es Uruchimi, Victoria. Et tu es ma femme. On n'a plus besoin de se cacher, mon amour. J'ai dû faire tant de choses pour vivre ce moment. Ne pensons plus à ça. Tout ça, c'était le passé, non? Et tu ne me dois aucune explication. Ça n'a plus aucune importance, maintenant. Tu es près de moi. On est enfin réunis dans cette maison. On y est pour la vie. Plus vite, allez! On travaille! Étoile paresseuse, ne fais pas semblant! Je n'ai plus de force. Au travail, forçat! Je ne suis pas un forçat. Je suis Nicolas Parrigno. Je suis gouverneur de Santa Marta. Bien sûr. Je ne devrais pas être ici. La première chose que je ferai en sortant d'ici, c'est de vous détruire, maudit animal. Imbécile! Tu n'es qu'un criminel, c'est tout. Et tu vas passer le reste de ta vie ici. Allez, au travail, et vite! Non! Non! Porter un toast spécial à l'abolition de l'esclavage. Parce que cette fois, c'est pour toujours, n'est-ce pas, Général? Oui, aujourd'hui, nous en avons reçu la confirmation de Santa Fe. Pardon, je ne l'ai pas apporté parce que je vais sans doute boire un petit peu et j'aurais risqué de la perdre. Victoria, tu as devancé l'histoire en remplaçant le statut d'esclave par celui de journalier ici à l'Éden. Et non seulement tu l'as devancé, mais tu as démontré que c'est plus efficace et productif pour tous. Je crois que nous devrions féliciter le nouveau contremaître de l'Éden. Merci beaucoup, ma merveilleuse épouse. Je vais aller voir ma petite fille. Je crois en effet que nous pouvons trinquer à beaucoup de choses. À l'amour. À la justice. Aux lois qui nous ont permis de rester sur le bon chemin. À la force et à la persévérance de Miguel. Et bien sûr, à la nouvelle génération. Bonsoir à tous. Je sais, je suis très en retard, mais j'espère que vous m'avez gardé de quoi trinquer avec vous. Bonsoir, petite sœur. Bonsoir, Miguel. Comment tu vas? Bien. Comment allez-vous deux? Bien. Très bien.
Comment s'est passé ton voyage? C'était parfait. Qui aurait pu imaginer que j'allais devenir une bonne cavalière? Eh bien voilà, la digne sœur de son frère. Et où as-tu laissé le docteur, Isabelle? Au dispensaire, nous avons de lourdes responsabilités et nous essayons de toutes les assumer. Ne le laisse pas seul trop longtemps quand même. Je te conseille de rentrer. Est-ce que c'est ma petite nièce qui pleure? Ne t'inquiète pas, Isabellita. Elle est avec sa grand-mère. Veuillez m'excuser. Je tiens à vous annoncer que vous êtes ici chez vous. Merci. Merci. Alors, portons un toast à la liberté. À la liberté. Santé, à la liberté. Santé. Santé. Dites-moi, Sainte-Anne, dites-moi, Sainte-Isabelle, pourquoi cet enfant pleure-t-elle comme une cascabelle? Fais dodo, mon bébé, fais dodo, ma chérie, cette berceuse, c'est pour toi. Dors bien, mon petit cœur. J'ai connu une petite fille qui te ressemblait beaucoup. Belle, intelligente. Et elle avait deux familles. Une famille blanche et une famille noire. La famille blanche l'avait appelée Victoria. Et la famille noire l'avait appelée Uruchimi. Cette petite fille avait de la chance parce qu'elle avait deux familles qui l'aimaient beaucoup, beaucoup. Quand cette petite fille a grandi, elle aimait tout le monde de la même façon, les blancs et les noirs. Parce que nous sommes tous unis, ma petite fille. Elle a rencontré le grand amour. Un petit garçon aussi spécial que toi. Tu m'attraperas jamais! Je cours plus vite que toi! Mais la vie les a séparés. Puis les a de nouveau réunis et ils ont lutté ensemble. Tu es née, ma petite Dominga. Jolie et forte comme ta maman. Et forte comme moi. Si ta maman est d'accord, je la soutiendrai. Ma petite Dominga, je te bercerai. Alors fais dodo, mon bébé. Toi, mon cœur.